Bon matin les gens. Oui, morgen iedereen. Je vous présente Caroline Mancel. Et salut, Grégoire Chapelle, vous? Nous sommes les directeurs généraux d'Actiris, qui est le service public d'emploi bruxellois. Alors demain matin, mardi 25 avril, nous organisons le deuxième Employers Day pour convaincre les employeurs que nous sommes aussi, Actiris, un service aux employeurs bruxellois. De werkloosheid in Brussel daalt al meer dan 2 jaar, de jeugdwerkloosheid al bijna 4 jaar, maar het blijft nog altijd veel te hoog. En daarop gaan we morgen met bijna 1000 mensen de straat op om de 35.000 werkgevers van Brussel te overtuigen om nog meer een beroep te doen op onze gratis recruteringsdiensten van Actiris, om zo nog meer oplossingen te hebben voor onze werkzoekenden en de werkloosheid nog verder te doen dalen. Et oui, comme Caroline vient de le dire et comme vous avez tous compris, le chômage baisse depuis 47 mois d'affilée, le chômage des jeunes baisse depuis 47 mois d'affilée. Le taux d'emploi à Bruxelles est au plus haut depuis presque 10 ans, mais ce n'est pas encore assez. Nous avons besoin de plus de solutions pour les chercheurs d'emploi, donc nous avons besoin de convaincre plus d'employeurs. Nous en avons déjà 5500 employeurs sur les 35 000 que compte Bruxelles. 5500 employeurs font appel à nous, mais ce n'est pas encore assez. Nous mettons la barre plus haut parce que le taux de chômage reste évidemment beaucoup trop important. Nous voulons plus de Bruxellois à l'emploi. C'est la raison pour laquelle demain, le service public Actiris, avec aussi Bruxelles Formation et le VDAB, le secteur non marchand, les missions locales, les associations et les employeurs privés, nous nous mobilisons tous ensemble. Nous serons plus de 1000 à aller dans les rues rencontrer des employeurs pour leur demander de nous transmettre des offres d'emploi. Et nous rekenen op jullie. Tot morgen. À demain.